C, catégorie poussin. Ah, il se sent, hein. Voilà, ça en est parti pour ces 5 pilotes de restant en finale C. Et ça part fort à l'intérieur, peut-être du côté du 0-5, Bougie Jimmy pour le club de Champy, la Bretagne. En tête des opérations, en deuxième position, nous retrouvons le 0-6. Bonin Maxence pour le club de Azu, d'ailleurs, qui a pris la première place. Bonin Maxence pour Azu en proposition, suivi. Suivi du club breton. Voilà, Bougie Jimmy en troisième position, nous aurons le 0-8, Guégan Victor pour AZ encore. Et en quatrième position, nous retrouverons le club de Changer avec Demo Maé. Voilà, sans problème pour Bougie Jimmy, le club de Champy. Et c'est le 69, Patouga Evan pour le club d'Avrier qui a pris la tête des opérations. En deuxième position, nous retrouverons le 14, Herbert Hugo Lachevrolière. Tandis qu'on vient s'inscrire peut-être du côté d'Argentré avec Dylan Trottin. Voilà, oui, Dylan Trottin qui repasse en deuxième position. Alors, toujours le 69, Patouga Ewan pour Avrier, Argentré, Dylan Trottin. Et peut-être du côté de la Chevrolière en revient en deuxième position. Passer à la catégorie des pas en main, garçons et filles. Et ça part fort du côté de Nozet, peut-être. Ou tout à l'heure, oui, Nozet. Alors Nozet, Timothée Maillard. Voilà, Timothée Maillard qui a pris la tête des opérations. En deuxième position, on retrouvera une fille. La 26C. Corley Annis pour la Chevrolière. En troisième position, ce sera le club de Vitré avec Léa Renaud, tout à fait. Voilà. Garnier Luca pour Changer. Non, c'est pas Garnier Luca, 65 Luca. C'est un Pousson Liliane pour Champy. C'est Master et c'est Azé à la personne d'Alexandre Becquet. En bonne position, suivi d'Argenté, Didier Guyon. En troisième position, on trouve le club de Nozet avec Damien Luca. Et en quatrième position, on voit le club de Changer, Stéphane Arel, peut-être. Voilà, ah, Manu, enfin, Jean-Pierre Azé. Et je pense que c'est Azé, Alexandre Becquet, qui va terminer le premier sur place. Qui le Guillaume Guillaume, en fait beaucoup de Changer, Damien. Et en quatrième position, peut-être Changer. Ah, numéro 105, catégorie minime, toujours finale C, et peut-être à l'intérieur, numéro 12. Morel Esteban pour Fournier, peut-être non, c'est Argentré. Alors qui est-ce que j'ai d'Argentré? Clément Fournier. Voilà, Clément Fournier qui a pris la tête des opérations. Oh là, oh là là. Pas tout de suite, j'ai l'impression. Voilà, on retrouve toujours le final d'Argentré. Fournier, Clément, en position suivi du 12. Morel Esteban pour Fournier. Après, on aura changé avec le 75 pour Condoré. Et je reconnais un pilote de Turcan. Tadek, le final C, rail sur 106. Peut-être à l'intérieur le 49. Le 49, Fauvel François pour les têtes de Vitré. Et en deuxième position, on aura encore Vitré au 0-2, Coisson Antoine. En troisième position, on fera le club de Asie avec Corentin Guérin. Et François Patrick, le 0-2. 92, Théo Hall pour le club de Flair. Tout en fait, Alce 107 à l'aide. Au milieu, peut-être Asie. Asie, le numéro 30. Puis Sébastien pour le club d'Asie qui a pris la tête des opérations. Celui du pilote de Changer. 64, Chauvel Alexandre. Voilà, sans problème pour l'ami P. Sébastien pour l'instant. Alexandre Chauvel en deuxième position. En troisième, on aura le 27, Fauvi Gaëtan pour Turcan. Et on retrouvera encore Azé. Avec Guillaume peut-être.
Trois pilotes basés, un signé et un champi. Voilà, c'en est parti pour ce trail 108 catégorie pré-licencié, finale B. On part fort du côté du 24, Guégan Martin pour le club basé. Taper la tête de l'opération, attention, Camille Busson pour Champy, peut-être de répétition, non. Ce sera un autre club basé, le 15B, Brosseau, Rohem pour Razé en deuxième position. En troisième position, on retrouvera le 30, Chenevière, Eitan pour Assini. Extérieur, s'il vous plaît, intérieur du numéro 30, Chenevier de Tannes pour assigner, qui a fait la tête des opérations, celui du 15, Brosseau Rohem. En troisième position, on aura le 24, Guégan Martin. Il nous manque Champy, Camille Busson. Quatrième position. Madio Johan pour Azé. Voilà, c'est Madio Johan pour Azé en position suivie du 95. Le Biron Maël pour Vitry. En troisième position, on aura le 22. Denisel Gwendal pour Champy. Voilà, pour les trois premiers. Quatrième position, je vois un maillot changé. Alors, ça va être Esteban 300. Voilà, pour l'instant, les quatre premiers se trachent 109. Catégorie Poussin, finale B. Sans problème pour les pilotes Azé. On est parti, attention peut-être à l'intérieur, oui. Alors c'est le numéro 19, jeune Pellois, Élie Champy, la Bretagne, suivi de Vernoy BMX. Alors Vernoy BMX, c'est Kylian Noël, voilà. En troisième position, on aura Cartouchou avec Brian Lara. Et en quatrième position, on retrouve encore Vernon Denis. Voilà, en tête toujours le 19, Jeanne Pellois élu pour Champy. Suivi de 77 Noël Kylian pour Verneuil BIX. En troisième position, Carte Fou. Brian Laura. Restez 11, Benjamin, garçon et fille. Oh, ça part fort à l'intérieur du côté de Vitré, le 06, Ligue et Kylian. Le club de Vitré, qui a pris la tête des opérations, suivi de Conly. Alors, Conly, qu'est-ce qu'on a à voir? Le 22 pour Conly, Henri Maël, bien sûr. Et en troisième position, on va le club de Vitré, Alexis Marchand. Alors, à la quatrième place, on va le 67 ou 87. Alors, Brix Elliott, 67 pour Champy. On termine du côté de Vitré peut-être. Oh, chaud, chaud, chaud. On revient du côté de Conly. Et catégorie Master. Voilà, c'est parti pour cette finale de Rio. Chut. Alors peut-être les pilotes de changer, non? Alors, qu'est-ce qui va ressortir pour l'hiverge 67. Détresse de pour le club d'Avrier devant le pilote de changer, Bruno David. Voilà, et en troisième position, j'aurai donc le 48, le Cédric Frédéric pour Flair. Voilà, et peut-être Vernon BX, le 23, le roux Nicolas Brille. Le pour changer, non. Alors, qui est-ce qui ressort au premier virage? C'est le 82, l'amoureux Théo pour Turcan, le club de Turcan, proposition suivie de Valette, Julien Marchand, des positions peut-être à moins que on s'intercale. Alors qui est-ce qui est ressorti? C'est le 86, le grand Pierre pour Vernoy Denis, ça fait la deuxième place. Et on attaque du côté de changer avec Jean-Denis Emmanuel, peut-être troisième position, c'est ça, oui. Et quatrième position, ce sera pour Valette, Julien Marchand. À
Ah, c'est fantastique. Cadet, ça n'est parti. Attention, la mystère à Jérémy Machkou. Oui, ça fait la tête des opérations devant Aziz Christophe Roland. Et en troisième position, on va retrouver le 63, le jeune homme pour Nantes. Voilà pour l'instant. Et retour en quatrième place, peut-être Damien Demain pour faire. Mano à mano entre Tristan Frelon et Jérémy Sarrazin, c'est peut-être Tristan Frelon qui en sent encore le mieux. En troisième complet, Damien Bénard. Et quatrième position, Jean-Louis Rouleau de changer. Maxime Guéraud pour finale A que je vais donc présenter. Alors je vais me rapprocher. Donc pour les clubs de Carcoufou, le 56L, le maçon Paolo, couloir numéro 1. Pour le club de Verneuil BMX, le 36N, Noël Lucas, couloir numéro 2. Pour le club de Chantepie, le 15D, Virussel Adenora. Couloir numéro 4, pour le club Vitré, 97D, Benoît Nathan. Couloir numéro 3, pour le club Verneuil BMX, le 02B, Yann Marty. Il est où? Couloir numéro 6 peut-être, Matisse. Couloir numéro 7. Pour le club de Nozay, 33L, Lucas Marcelin. Ouais, couloir numéro 7. Voilà, on est parti pour cette première finale de la journée. Attention, ça part fort du côté de Carcoufou, le maçon Paolo. Oui, le maçon Paolo qui est bien sorti de la grille. Voilà, sans problème pour le maçon Paolo Carcoufou en deuxième position. On aura le 46, le chevalier Matisse sur le club d'Azé. Et en troisième position, on trouvera encore un pilote de Vermeil, peut-être Lucas Noël. A vérifier, aucun intérieur de Lucas Noël. Non, c'est Guillaume Marcoux, pardon. Guillaume Marcoux qui nous a fait un intérieur. Et à 4e position, on prend le 15 du Russell Adenora pour Chanty. Voilà, sans problème pour le maçon Paolo, le club de Carcoufou. Première finale. Poussin. On va commencer par le club de Azé avec le 11G, Perrin Matisse. Couloir numéro 2. Asie encore avec le 10G, Gérard Nolan, couloir numéro 3. Pour le club de Changer, 89C, Chauffa Lenny, couloir numéro 4. Pour le club d'Argentré, 83G, Jesper Selam, couloir numéro 5. Pour le club de Nozay, 01L, Leclerc, oui, couloir numéro 7. Encore pour le club de Azé, 59H, Jouet Ethan, couloir numéro 8. Pour le club de Chantepie, 21R, Rathnar Félix, couloir numéro 6. Et pour terminer, pour Azé, 93P, Pasquier Jules, couloir numéro 1. Voilà, c'en est parti pour cette finale des poussins. Et bien sûr, c'est un pilote d'Azé qui va se détacher peut-être. Oui, tout à fait. Guérin Matisse peut-être à vérifier. Je pense que c'est Guérin Matisse qui a pris la tête des opérations. Oui, tout à fait. Suivi du 10, Gérard Nolan. Et en troisième position, on trouvera le 93.
Saskia et Jules. Voilà, trois premiers, trois pilotes basés en compétition. Aux trois premières places. Et à la quatrième place, on retrouvera le club d'argent qui avec le 63. 94, Josbert Selan. Voilà, sans problème. Pour Guérin Matisse. Par la pilote basée 64B, Brillet Perrine. Pour changer 76C, Croissant Emmy. Pour la numéro 4. Pour le club de Chantopie, 102, Ligue Seine. Pour la numéro 2. Encore pour le club de Chantopie, 49B, Brix. Louane. Couloir numéro 6. Voilà, ça n'est parti pour cette finale. Poussine Pipi. Poussine Pipi, tout à fait. Elle a toujours été brillée. Brillet Perrine, la pilote basée qui a pris la tête des opérations devant Emmy Croissant pour le club de Changer. Et en troisième position, on retrouvera la 02 ou la 102, Nick Saint pour Chanty. Voilà, sans problème, Perrine Brillet, elle a gagné toutes ses manches avant. Et là, sur encore pour celle-ci. Voilà, sans problème, Perrine Brillet, Croissant Emmy, Nick Saint et Luan Wix. Voilà pour ces quatre pilotes. Avec le prix d'Alençon, 04B, Brindjean Léa. Couloir numéro 1. Pour le club basé, 41B, Berthier Axel. Couloir numéro 2, pour Carquefou, 64L, Le Maçon Maël. Couloir numéro 3, pour Valet, 97B, Bodino Agathe. Couloir numéro 4, pour AZ, 92B, Baudenez Clément. Couloir numéro 5, pour Artigues, 54L, Le Foulon Ewan. Couloir numéro 6, pour Avrier, 78D, Dubray Johan. Couloir numéro 7, pour Chantepie, 17B, Buisson Maël. Couloir numéro 8, voilà, il y a 8 pilotes sous les ordres du starter. Bien sûr, à la suite du couloir numéro 1, Léa Brindjean. Non, elle n'est pas très bien sortie. Ça part plus fort du côté d'Azé. Alors, Azé, c'est Berthier Axel peut-être. À suivre, oui, 41, Berthier Axel, suivi de Léa Brindjean. En troisième position, il y aura Carquefou avec Maël Le Maçon. Et on retrouvera encore Asie avec... Allez Axel, à fond! Ah là là, maintenant on a monté le bagarre entre les deux premiers, Léa Brindjean, Axel Berthier. Et je pense peut-être que c'est Axel Berthier qui va... Oh là là, l'intérieur, oh, une douce, oh là 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 là! Bien joué, Léa. Pour un tout un coup, pour un tout un coup, 8 ans. Couloir numéro 1. Pour le club de Flair, 53L, Le Cellier Owen. Couloir numéro 2. Pour le club de Chantepie, 42C, Puni Enzo. Couloir numéro 3. Pour le club d'Argentré, 44G, Jesper Quentin. Couloir numéro 4. Pour le club d'Argentré, 37B, Bricard Alexis.
Couloir numéro 5 pour le club Nausée, 51L, Lépine Arthur. Couloir numéro 6 pour le club Valette, 62P, Palac Tristan. Couloir numéro 7. Et pour terminer, pour AZ, 21B, Bréin Chloé. Couloir numéro 8. Voilà, c'en est parti pour cette finale Benjamin, garçon et fils. Ça part fort à l'intérieur du côté de Garcofou, bien sûr. Michel Rousseau qui a pris la tête des opérations. Attention, Flair, le CDOM peut-être en deuxième position, oui. Et on trouvera Argentré avec Quentin Jolbert, troisième position. Oh, on revient en deuxième position du côté d'Argentré. Alors, hein, sorti, oui, sans problème. Michel Rousseau a fait la différence. Toujours de Quentin Jolbert pour Argentré. Oh, Flair peut-être qui revient, Flair qui revient. Mano à Mano pour la deuxième place entre Flair et Argentré. Attention. Ouais, peut-être. Oh là 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 là, chaud, 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 chaud. Ça revient. La quatrième position entre le quatrième jeu. Arthur. 120. Pour le club Chantepie. 99 H. Huig Alexandre. Couloir numéro 2. Pour le club de Vitré. 14L, Landais Benoît. Couloir numéro 1. Pour la Romagne, 51P, Piron David. Couloir numéro 3. Pour Argentan, 18, Ballon Benjamin. Arrivez-vous, Benjamin? À la 4, d'accord, merci. Pour Vitré, 07B, Bruno Marc. Couloir numéro 5. Pour Conly, 26D, Dupont David. Couloir numéro 6. Pour Vire, 35C, Cécile David. Couloir numéro 7. Et pour Cartefou, 58C, Kugel Manuel. Couloir numéro 8. Voilà, c'en est parti pour cette finale des Masters. Oui, ça part fort du côté du 99. Huig Alexandre, champion. Oui, Huig Champie. Huig Alexandre a fait la tête de l'opération. Et en deuxième position, nous retrouverons le 18. Ballon Benjamin pour Argentan, à moins qu'on fait l'intérieur. Ballon Benjamin, oh là là, Alexandre, oui, quelle bagarre pour la première place. Attention, dernier virage, va être déterminant, Europlouve, oh là 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 là, quelle trajectoire. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Bravo les gars, quel virage. 121, avec Vitré, 39L, Loire Léo. Couloir numéro 6 pour Conly, 83O, Henri Gaëtan. Couloir numéro 2 pour Nozet, 43L, Lépine Simon. Arrivez où Simon? 4, non, non, 3, pardon. Couloir numéro 3 pour AZ, 71P, Pointeau Hugo. Couloir numéro 1. Pour AZ, 44B, Bréin Thomas. Couloir numéro 4. Pour Vitré, 79B, Bougère Régis. Couloir numéro 5. Pour AZ, 41F, Foucault Enzo. Couloir numéro 7. Et pour Conly, 14C, Chopin Tom. Couloir numéro 8. Voilà, ça n'est pas tout, ça part fort du côté du tri, j'attends sur la boue, rapide peut-être, oui. Rapide peut-être qu'après la tête des opérations, non, vient s'intercaler. Alors, Simon Lépine, je pense. Non, loin plus haut, après la tête des opérations, Simon Lépine, en troisième position, nous aurons le 83, Henri Gaëtan pour Conly. Oh là là, ça tourne.
Voilà, toujours loin plus haut que vous, 4e. Nozel, Simon Lépine, 3e, Conly. Je cherche Gaëtan Horry, je suis un peu perdu. Et la 4e position, ce sera Azé avec Thomas Bréin, je pense. Voilà, numéro 3. Pour la Chevrolière, 56D, Durand Gwendoline. Couloir numéro 2. Pour Verneuil BMX, 52L, Lebrun Julie. Couloir numéro 4. Pour Vitré, 69B, Brianté Maïva. Couloir numéro 5. Pour Verneuil BMX, 70L, Lebrun Audrey. Couloir numéro 6. Et pour changer, 37T, Tessier Anaïs. Couloir numéro 7. Voilà, ça n'est pas tout pour cette finale minime, plus de 7 ans et plus, bien sûr, Morgane Découflé, tout ça bien de la grille. Morgane Découflé qui prend la tête des opérations, suivi de la pilote de la Chevrolière, Gwendoline Durand. Et en troisième position, nous retrouverons la 52L, Julie Lebrun pour Vernon BMX. Voilà, sans problème pour Morgane Découflé, Gwendoline Durand, Julie Lebrun. Et en quatrième position, nous aurons Vitré avec Maëva Brillanté. Voilà, sans problème pour Morgane Découflé. Elle a gagné toutes ses manches aujourd'hui. On va passer maintenant à la finale A des catégories cadets. Alors attention, ça va être... 21M marqué Lucas. Allez où Lucas? Ouais, Alain, d'accord. Pour Argenté, 28H, Loire Arnaud. Il est où, Arnaud? A3, merci. Pour Argentré, 64T, Tiercelin William. Couloir numéro 2. Pour Vitré, 84B, Bougère William. Couloir numéro 4. Pour Argentré, 04D, Denis Vincent. Couloir numéro 5. Pour Valette, 47B, Bidet Valentin. Alors, couloir numéro 6. Pour Azé, 96G, Guérin Maxime. Couloir numéro 7. Et pour Valette, 84R, Ronflet Clément. Couloir numéro 8. Voilà, ça n'est pas vu pour cette finale cadet, dans laquelle il y a peut-être sa part fort du côté d'Argentré. Argentré à la personne d'Arnaud Lard, je pense, oui. Arnaud Lard devant Lucas Marquet. Arnaud Lard, Lucas Marquet, le 04 après. Denis Vincent, Vincent Denis. Voilà. Hey Max. On a toujours Argentré. Avec Arnaud, on attaque du côté de Marquet Lucas. Oh, il est passé, il est passé. Marco Luca est passé. On va faire un télépédale. Oh, quelle finale! Alors, je vais les présenter. Pour Azé, 52Q, Quentin Guillaume. À la 8. Pour Verneuil BMX, 75L, Lomel Romain. Je pense qu'il en a 3. Pour Azé, 58 TT Flavien. Voilà, hein, peut-être. Pour changer, 40B, Delaroux Maxime. À la 4. Pour changer, 95L, Lévesque Victor. À la 5. Pour Kéver, 04R, Robin Matisse. À la 2. Pour Olivier Bicross, 45S, Sommier Alexis.
Et pour changer, 51L, le cours Johan. On a eu 7. Voilà, ça en est parti pour cette finale BM, 17 ans et plus, peut-être côté basé, ça démarre fort. 75, Vanel BMX, Lomel, Romain, c'est ça, Romain, Romain qui a fait la tête des opérations. Attention, on retrouve deux pilotes basés derrière. Le 52, Quentin Guillaume. Ah, on est passé, oui. Et le 58, Pierre Flavien. Oh là, Manon, à 3 mois, à 3 mois. Il faut peut-être courager la victoire. Ça gêne, bien sûr. Homme 17 ans et plus, le pays d'Alençon, le 505, Jarry Pierre. Couleur numéro 3, pour AZ 47B, Ballard Romain. Couleur numéro 1. Pour le pays d'Alençon encore, 45J, Jarry Hugo. Voilà deux. Pour Tévert, 477, Loisel Damien. Couleur numéro 4. Pour Argenté, 77F, Touché Nils. À la 5, pour Argenté, 14F, Fournier Romain. 6 pour Savenay, 83L, Leclerc Vincent, couleur numéro 8. Et pour la Romagne, 21S, Subilo Emmanuel, couleur numéro 7. Attention au départ. Voilà, c'est parti, attention à l'intérieur, où j'arrive. Jarry Pierre, bien sûr, Jarry Pierre devant Damien Grazel peut-être. Ou Jarry Hugo en intérieur. Jarry Pierre, ensuite on a le 47. Ballard Romain pour Azé. Oh là là. Merci à tous. Damien Grazel qui revient à la deuxième position. Toujours Jarry Pierre, Damien Grazel, Jarry Hugo. Et Nils Fouché peut-être en quatrième position. Voilà, sans problème pour Jarry Pierre, Damien Grazel et Jarry Hugo.